Je suis quelqu'un de très positif, puis je crois vraiment au renforcement positif. Fait que je l'encourageais, puis l'enfant, il aimait ça, je faisais des jeux. Moi, j'ai vraiment trippé, puis là, je m'ai dit, aïe, aïe, ok, je pense que je me vois en enseignement. Puis on m'a même dit que j'étais un des meilleurs tuteurs qu'il y avait eu dans l'école. Fait que là, je m'ai dit, aïe, aïe, j'ai des troubles d'apprentissage. J'ai jamais été bon à l'école. Comme j'ai déjà fait des posts Facebook là-dessus, comme quoi. T'sais, des fois, je me sens vraiment nul. Je suis tuteur, je fais de l'aide aux devoirs. Puis, des fois, je me sens vraiment pas bon. Mais là, je dis à l'élève, mais t'inquiète, je le sais pas, mais on va faire la démarche ensemble, on va trouver. Dans la vie, là, que tu saches pas ou tu le sais, l'important, c'est de faire des recherches, puis De d'apprendre prendre le comme, temps de de. prendre le temps, puis apprendre. De tes erreurs. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je reçois un jeune homme dynamique, très spécial. Il est intervenant chez les Répits de Gaby. Il est suppléant enseignant au Centre de services scolaires des Affluents. Il est étudiant en enseignement au préscolaire primaire. Il est aussi créateur de la page TDAH. Il a de la dyslexie, de la dysorthographie. Il a naturellement le fameux TDAH dont il va nous parler grandement. Et aussi, c'est un très beau jeune homme de 23 ans qui est célibataire. Et si vous êtes une jeune fille qui voulait naturellement être une prétendante de ce cher invité, vous devez absolument détenir un maillot de bain avec des ananas dessus. Alors, je prépare mon décor pour mon invité. Naturellement, vous comprendrez pourquoi. Ah non. Oui, alors, pour le mettre en, naturellement, très confortable, alors, je vous présente Antoine Faulkner. Bonjour, Antoine. Salut, ça va? Une belle introduction pour toi. C'est excellent. Donc, écoute. Je m'attendais pas à ça. Et puis en plus, ben, les gens vont dire, écoute, elle a vraiment raison parce que sur ta chemise, qu'est-ce qu'il y a? Sur ma chemise, il y a plein d'ananas. J'ai mon chandail en ananas, mais je ne l'ai pas mis dans le lavage. Fait que là, il sentait pas bon. Fait que là, je l'ai mis dans le lavage. Il sentait pas l'ananas? Non, il sentait pas l'ananas. Mais donc, c'est un peu ton j'espère que c'est ton fruit favori, l'ananas. Mais là, c'est parce que je suis dans une passe à l'ananas. OK. Avec le TDAH, des fois, tu as des passes. Mais j'adore l'ananas, mais pour l'instant. C'est un peu ta marque de commerce pour le moment, mis à part, on va en reparler des chandails TDAH qui font partie aussi de ta page, de ce que tu fais. Peut-être que je devrais en mettre sur dans ma compagnie. Oui. Oui, oui. Ben oui, c'est ça. Mais écoute, je trouvais ça bien parce que je disais, je voyais sur tes réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert à travers, bon, naturellement, je suis dans le milieu de l'éducation, sur Facebook, etc. Tu es l'auteur de la page TDAH, qui est quand même de plus en plus populaire, hein. C'était. Vraiment, ça fait combien de temps? Cinq ans, non, vas-y. C'est l'impulsivité. Oui, oui, vous allez voir là, vous avez live un TDAH, pas médicamenté, donc écoutez, vous allez reconnaître vos enfants, vos jeunes adultes, donc on va démystifier plein d'affaires aujourd'hui. Fait que là, on parlait de quoi? C'est ça! Ça aussi, il va falloir ramener notre élève! C'est bon, on parlait, c'est moi qui vais finir par en avoir un finalement, ça s'attrape-tu ça? Au moins, t'es Non, mais là, tu dis que ça faisait 5 ans que cette page-là... J'ai créé ça au début de mon cégep, parce que le TDAH, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été longtemps négatif, le jugement des autres, la façon qu'ils te regardent, tout ça, je me sentais différent, puis oui, j'aimais ça des fois, mais je voulais des fois être normal aussi. Puis, je m'ai dit, bon, je suis bon avec Photoshop. Puis, tu connais, c'est quoi des memes? Ben, c'est oui, ce que je fais sur ma page. Fait que je m'ai dit, bon, ben, je vais créer des memes sur le TDAH parce que c'est quelque chose que j'ai eu de la misère toute ma vie avec, mais je vais le rendre, je vais le mettre humoristiquement. OK. Ça se dit pas, mais. Oui, oui, de manière humoristique. De manière humoristique. Puis en une semaine, là, il y avait eu 1 million de personnes qui l'avaient vu
Dans le monde, c'est ouais. dans le monde. Hey, c'est bien. Puis écoute, pour le bienfait de nos auditeurs, moi je sais c'est quoi, pas parce que je suis une vieille croûte de 52 ans, mais parce que j'ai un fils de 15 ans. Et là, je vais te demander de parler le plus possible dans ton micro, parce que là... je bouge beaucoup. Hein. C'est pas... C'est ça. c'est ça. Tu vas voir que ça va déstresser. Mais donc, explique-nous, c'est quoi un meme, pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi. Un meme, c'est quelque chose qui décrit quelque chose qu'on fait au quotidien de manière humoristique avec un texte. OK. Sur Facebook, c'est rempli de memes. OK. C'est juste des memes. OK. Puis là, tu voulais utiliser ça de manière humoristique pour parler de ton TDAH. Oui. Ça fait rire. Ça décrit un moment que tout le monde vit. Ben, que ceux qui regardent l'image, qui se reconnaissent, puis sont comme « Ah, wow, c'est moi, ça! » Puis là, ils le partagent, puis... C'est ça. Puis ça fait une différence aussi dans la vie des gens. Là, tu disais, moi, j'ai tellement vu ça, vécu ça négativement. Mm-hmm. Tu as su à quel âge, à quel moment tu as eu le diagnostic? 8 ans. À 8 ans, ouais. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Mes notes chutaient grandement. Mon enseignante, elle disait pas tant que j'étais TDAH. C'était pas tant connu. C'est 18 moins 23, je ne sais pas. Ou 20, ouais, 23 moins 8. 23 moins 8, c'est ça. Donc, il y a quelques années. Moins 15 ans. Moins 15 ans, c'est ça, une quinzaine d'années. C'était moins présent qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on en parle. Oui. Puis ma page, elle aide là-dedans. Ben aussi, oui, c'est sûr. Je pense 1 million de portées à chaque mois. Écoute. Le monde, ils savent. C'est pas tout le monde qui savent c'est quoi, mais ils en ont déjà entendu parler, ça, c'est sûr. Oui, puis c'est un diagnostic qui touche plusieurs personnes, peu importe la langue. Oui. Les gens célèbres, la majorité en ont. Puis dans tous les pays aussi. Oui. Vraiment. Et depuis longtemps. C'est pas parce qu'on vient de le trouver, que c'est quoi le TDAH, que ça vienne d'exister. Parce non, que non. Mes grands-parents, eux, ils pensent que ça vienne d'exister, puis tout, puis les ancêtres... Tu sais, dans leur temps, ça n'existait pas. Ouais. Hein? Quand tu avais plus d'énergie, c'est juste que tu étais énervé. Mm-hmm. Tu étais un tannant. Tu étais le tannant de la classe ou tu étais mal élevé. Exact. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était très catholique. Donc, il y avait la présence de la religion. Fait qu'ils ont été très impliqués là-dedans. Puis toi, à 8 ans, donc, tes notes chutaient. Ouais. Côté comportemental, tu as l'hyperactivité. Je me battais tout le temps. Depuis la maternelle, aussitôt quelqu'un me disait un commentaire déplacé, je me battais. Donc, un peu d'impulsivité aussi. Très impulsif, trop d'opposition aussi. Andresse. Ouais. Donc, on peut te comparer avec une pizza Andresse hawaïenne avec des ananas. Avec des ananas. Ouais. C'est sûr. Pourtant, c'est meilleur. Pourtant, ben, ça n'est pas des goûts, mais c'est ça. Moi, j'aime mieux la pizza pépéronie fromage. Ah, OK. Mais... Donc moi, je suis dans une passe ananas, je devrais aimer ça. Mais donc, une blonde TDAH, t'aimerais mieux l'avoir calme ou ouais, un petit peu plus... Oui, dans mes critères, on dirait que je n'aime pas tant quelqu'un... Ben, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un qui est exactement comme moi, ben, j'aime pas ça. J'aime avoir le centre du monde, T'aimes le centre d'attraction. Ouais. Donc, quand il y en a deux, ben, j'aime pas ça. Ça te challenge. T'aimes pas ça. Non. Tu veux être le centre de l'attraction. Ouais. Donc, une petite fille timide, ouais, en retrait. Tu sais, une personne qui est calme. On va pas être tout le temps sur le party. Là. Des fois, il va y avoir des journées calmes parce que je suis pas tout le temps énervé. Hein. Je peux être calme aussi. Mm-hmm. C'est tous les extrêmes. C'est soit que je suis vraiment calme ou soit que je suis vraiment énervé. Donc, quand on dit l'opposé et les opposés, exact. Ça tient. Donc là, tu dis 8 ans, le diagnostic tombe. T'es le cadet, t'es le plus jeune d'une fratrie de 2 enfants. Je suis le plus vieux. Le plus vieux, excuse-moi. T'es plus vieux, t'es l'aîné d'une fratrie de 2 enfants. Tu as un frère. Est-ce que ton frère a les mêmes diagnostics que toi? Il a une dyslexie, lui aussi, puis il a un TDA. OK. Parfait. Mais là, toi, tu étais le plus vieux, donc ça arrive. Tu disais tout à l'heure, je voulais me sentir normal, c'était toujours négatif. C'est quoi que tu sentais? Te souviens-tu de ton... Moi, c'est ma propre famille. Tu sais, quand j'arrivais dans les soupers de famille, je sentais que j'étais le fatigant. T'sais. Moi, il fallait que j'aille de l'attention, il fallait que je fasse des mauvais coups. Ben, je faisais des mauvais coups pour qu'on me remarque. T'sais. Puis... C'était fatigant tout le temps de me faire chicaner ou... tu sais, senti que t'étais différent. Des fois, je regardais quelqu'un, puis lui, il passait...
naturellement. Personne ne savait c'était qui. Puis là, des fois, je me disais, aïe, aïe, j'aimerais tellement ça être comme lui, des fois. Mais non, moi, il fallait que je sois différent. Oui, oui, puis c'est un peu paradoxal parce que tu dis, moi, j'aime ça être le centre de l'attention. Exact. J'aime ça attirer l'attention. Je faisais des mauvais coups pour attirer l'attention. Mais d'un autre côté, je voyais d'autres enfants ou d'autres jeunes qui passaient inaperçus, puis je les enviais à certains moments. C'est ça qui est contradictoire avec le TDAH. Des fois, tu es comme une bulle comme ci, puis là, tu as une bulle comme complètement le contraire de ton autre bulle. Hein. Des fois, c'est ça qui est difficile à expliquer, le TDAH, ben, de ce que je remarque. Hein. C'est que des fois, tu vas vraiment aller dans un sens, puis l'autre fois, tu vas aller dans un autre sens. Puis le pire, c'est que tu y crois à ces deux sens-là. Ben oui. Là, à partir du moment à 10h10, tu as le goût de ça. Il comprend rien, là, mais toi, pourtant, c'est ton quotidien. Hein. Un jour, 5 minutes, c'est ça, 5 minutes. Exact, on voit ici, oh, ben okay. Puis l'enfant qui va jouer à quelque chose, puis 5 minutes après, il va avoir l'intérêt pour autre chose. Donc, il va faire plein de choses en même temps aussi. Ouais. Donc, tu es à l'école, tu as ce diagnostic-là. Là, arrivent les spécialistes, arrivent ton parcours scolaire. Ça s'est passé comment au primaire? J'ai jamais coulé un cours, mais j'étais tout le temps dans les 60%. OK. Puis, ben, j'étudiais beaucoup, je mettais vraiment beaucoup d'efforts dans mes études pour des 60%. C'était très décourageant, surtout quand tu sais que la moyenne est vraiment plus haute que tes notes. Ben, je vais en parler plus tantôt, sûrement à l'université, tu vas m'en parler. Oui. Oui, parce que là, tu es rendu, puis là, tu as choisi d'enseigner en plus. Donc, ce qui n'est pas évident, parce que déjà là, d'être à l'école pour un TDAH, c'est pas toujours évident. Tu as choisi aussi, là, à l'âge adulte, de cesser la médication. Parce que là, arrive le TDAH et là, tu as une médication qui s'installe avec toi, qui, ben, je veux dire, qu'on t'impose en tant qu'enfant. Puis là, ça t'a aidé, ça, dans ton parcours scolaire? Mais je m'ai rendu compte quand j'ai eu 18 ans que j'avais des effets secondaires, mais pour vrai, si j'avais pas eu ça durant tout mon parcours scolaire, du primaire au secondaire, j'aurais sûrement coulé des cours, j'aurais pas été concentré, j'aurais pas eu la motivation de faire mes cours. Donc ça m'a vraiment aidé. Oui, parlons-en de la médication, parce que la médication, oui, on le sait, on le dit, il y a des élèves qui sont médicamentés qui ne devraient pas l'être, OK? Ouais, on prescrit ça un peu comme des Smarties, là. Donc, mais il y en a pour qui c'est la révélation de toute une vie, dans le sens que c'est une qualité de vie qui vient s'installer quand la médication arrive. Toi, c'est ça qui est arrivé chez toi. Ouais. Mais il y en a, à 45 ans, là, ils viennent de se faire diagnostiquer TDAH, ils n'ont jamais pris de médication de leur vie, puis à 45 ans, comment je pourrais dire ça, c'est une révélation, là, prendre des médicaments, être structuré, pas partir dans tous les sons. C'était très révélateur. C'est très différent. Quand ça fait 40 ans que tu vis ça, 30 ans, puis que tu vis ça, puis que tu dis... ta vie comme ça. Hein? Oui, puis que ça se passe dans ta tête. Ça va bien, puis tout. Mon Dieu, est-ce moi? Ouais. Mais toi, tu as décidé, tu parlais d'effets secondaires. C'était quoi les effets secondaires que tu avais? Dépression, je dirais. Beaucoup de baisse d'énergie. Je voyais beaucoup les trucs négatifs. OK. Hein. Ça me rendait négatif. OK, puis tu sentais ça, puis là, tu as décidé de cesser ça. Ben, quand j'ai créé ma page, je m'ai dit, j'ai arrêté mes médicaments. Là. Ça n'a aucunement rapport avec les effets secondaires. Ça a juste été pour faire plus rire, pour être plus proche du monde derrière la page. Puis, du jour au lendemain, j'ai vraiment pas aimé ça. Parce que toute ma vie, j'ai pris ça. Fait que c'est sûr que c'est pas comme une désintox, mais quand même. Mm-hmm, oui. Fait que là, je me sentais bizarre, tu sais, de pas prendre mes médicaments. Puis une semaine ou deux semaines plus tard, j'ai vraiment aimé ça. Là, je me sentais plus en vie, je me sentais moi. Je sentais mon énergie. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand j'ai arrêté mes médicaments, je commençais le cégep. Ben, j'étais dans ma première session de cégep. Puis au cégep, on s'entend que c'est beaucoup plus difficile que le secondaire et le primaire. Oui. Là, t'as des cours de philo, t'as des cours de français au cégep, c'est pas facile. Fait que là,
fallait que j'aille toute ma concentration pendant un cours de 3 heures. C'est long, hein? C'est très long. Mais j'ai survécu. J'ai survécu, puis tu as trouvé des outils aussi. Puis est-ce que tu es allé chercher justement les outils, comme tu sais, quand on a un diagnostic à l'école, mais même au cégep, tu peux demander seulement un examen par jour, des choses comme ça, tu peux avoir... J'avais un tiers de temps de plus, justement avec le TDAH, puis j'avais le droit aux ordinateurs à cause de ma dyslexie. Mais le tiers de temps supplémentaire, je ne l'ai jamais vraiment utilisé parce que je suis très impulsif. Okay. Moi, quand je finis mon examen, je le fais le plus rapidement possible. Il faut que je me rappelle, tu sais, qu'est-ce que j'ai étudié la veille. Okay. Fait que, j'ai tout ça dans ma tête, il faut que j'écris le plus vite possible. Puis l'examen est fini. Là, je ne vais pas me revérifier parce que si je me revérifie, ben là, je vais me remettre en doute. Si je l'ai écrit en premier, c'est parce que c'était bon. Fait que là, je ne me revérifie pas. Fait que je suis tout le temps un des premiers qui finit mon examen. Puis est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai des 70 % 60, okay. Je passe tout le temps. OK. Donc, tu gardes ta stratégie. Ouais. Ben, c'est ça. Parce que aussitôt que je vais me revérifier, ça, je me remets en doute. Tout se bouscule. Je ne vais pas refaire mon examen. Tu es dans le doute. Puis là, à l'université, tu as droit à des preneurs de notes aussi. Tu le sais que tu as droit. Est-ce que tu utilises ça aussi? Pas tout le temps. Non, OK. C'est gênant, moi, je trouve, demander de l'aide. Là. OK. Parce qu'encore là, tu te marginalises en faisant ça. Ben oui, parce que souvent, le prof, il va le dire à la classe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre des notes pour telle personne? Ah, OK, parce qu'il demande à l'intérieur. Habituellement, OK. Ou, sinon, c'est moi, il faut qu'il le demande. C'est encore plus gênant. Mon Dieu, c'était tout un aide. La fille est bien cute, peut-être. Ouais, peux utiliser ça. Mais, tu sais, donc... Je vais prendre cette fille-là. Ouais. C'est pas écrit, mais c'est pas grave. Elle est bien cute. Elle a l'air aussi perdue que moi, là. Mais c'est pas grave, elle est bien cute. J'allais prendre un verre avec après. Je suis très gênée dans la vie. C'est ironique. Souvent, le monde, quand il me rencontre en vrai... Puis qui voit mes vidéos, et comme, t'es pas la même personne que. C'est vrai qu'on décèle une timidité, une grande timidité, mais j'imagine qu'avec le temps, quand tu tisses les liens avec les personnes, que là, tu te poses un petit peu plus. Avec le temps. Avec le temps. Faudrait qu'on fasse 3-4 podcasts ensemble ou d'autres projets. Ça, exact. Non, mais tu sais, quand t'as des gens qui te suivent depuis longtemps, puis là, ils te voient en vrai, puis là, ils s'attendent que tu sois fou. Ouais. Fasse des foleries, mais non. Non, c'est ça. Je suis très sérieux. Ben, je suis sérieux, mais je suis aussi fou à mes heures. Oui. Puis là, tu es dans ta vie d'adulte. Là, tu as décidé d'aller en enseignement. C'est vrai, faut que je parle. Ben oui. Mais c'est pas grave, au moins, tu as une voix qui porte, pas pire. Le pire, c'est que ça va faire ouais. Ça va faire. On mettra des effets visuels, tu sais. Mais donc, tu as décidé, qu'est-ce qui t'a amené? Tu disais que tu étais allé au cégep, t'avais-tu un cours particulier ou tu étais en sciences humaines? En fait, j'ai eu un DEP en informatique en même temps que mon secondaire 4 et 5. OK. Puis après, je voulais aller faire ma technique en réseautique. C'est la continuité, mm-hmm. c'est une branche de l'informatique. Puis j'ai pas aimé ça. Les profs m'ont pas donné le goût de continuer là-dedans. Fait que j'ai lâché ça. Je suis parti en cinéma la session d'après. Moi, j'ai trippé un cinéma. J'ai de l'imagination à l'infini. Ben oui. Mes idées. Puis tout ce qui est artistique au niveau des médias, moi, je trippe. Le Photoshop, faire du montage vidéo. Tout ça. Ça, c'est ce que je trippe. Faire des sites Internet aussi, je trippe. Fait que t'es allé là-dedans, puis qu'est-ce qui fait que t'as pas continué vers le côté artistique? C'est surtout la carrière là-dedans qui est difficile à trouver. Tu sais, c'est des jobs à contrat, c'est des jobs qui ont pas beaucoup de monde, qui est très contingent. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exact. Puis je voulais pas me voir dans ma vie à tout... devoir toujours chercher un job. Je voulais pas me voir comme ça. Là, je me dis, OK, je vais aller en sciences humaines, c'est normal. Pratiquement tout le monde. Un passage obligé. Exact. Mais j'ai tellement trippé en sciences humaines. Moi, je suis quelqu'un qui est très passionné par l'humain. Donc, les cours de sociaux, les cours de psycho, les cours d'histoire, les cours. Philo. Anthropologie. Moi, ma passion première, là, c'est vraiment les cultures. Là. Quand je voyage, là, c'est.
faut que je goûte à la bouffe locale, faut que j'aille dans les musées, comprendre leur histoire. Moi, je trippe, là. Fait que, si on se met, là, pour moi, j'étudiais même pas, puis j'avais vraiment des bonnes notes. Parce que ça t'allumait énormément. Exact. Puis, à quel moment est arrivé le désir d'aller en enseignement? C'est dans un des cours de psycho que j'ai eu. C'est sûr que j'avais 20 pages à faire de travaux de session ou faire du tutorat dans une classe au primaire et faire 2-3 pages. Fait que t'as vu que t'étais un petit vite, tu t'es dit... Mais dis, moi, ça me tente pas de faire 20 pages de travail de psycho. Allons organiser une coupe de petits morveux pendant une coupe d'heure. Exact. Puis, j'ai vraiment trippé, tu sais. Les gens qui demandaient de l'aide au devoir, c'est souvent des gens qui ont des troubles d'apprentissage. Mm-hmm. Puis, de voir, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très patient avec des gens comme moi. Puis, même avec les autres. Mais, tu sais, quelqu'un qui avait de la difficulté à lire, là, je pouvais passer toute mon heure avec lui. Puis, dire, hey, lâche pas, je suis quelqu'un de très positif. Puis, je crois vraiment au renforcement positif. Mm-hmm. Fait que je l'encourageais, puis l'enfant il aimait ça, je faisais des jeux. Moi, j'ai vraiment trippé, puis là, je m'ai dit, aïe, aïe, OK, je pense que je me vois en enseignement. Puis on m'a même dit que j'étais un des meilleurs tuteurs qu'il y avait eu dans l'école. Fait que là, je m'ai dit, aïe, j'ai des troubles d'apprentissage, j'ai jamais été bon à l'école. Comme j'ai déjà fait des posts Facebook là-dessus, comme quoi, tu sais, des fois, je me sens vraiment nul. Je suis tuteur, je fais de l'aide aux devoirs. Puis, des fois, je me sens vraiment pas bon. Mais là, je dis à l'élève, « Mais t'inquiète, là, je le sais pas, mais on va faire la démarche ensemble, on va trouver dans la vie, là, que tu saches pas ou tu le sais. L'important, c'est de faire des recherches, puis d'apprendre. » De prendre le temps. De prendre le temps, puis apprendre de tes erreurs. Donc, tu te donnes ce droit-là en le verbalisant, exactement, en le communiquant. Donc là, est arrivé le bac en enseignement. Parce que bon, là, tu t'en vas dans un bac en enseignement au préscolaire primaire. Pourquoi pas un bac en enseignement en adaptation scolaire qui est vraiment ciblé sur les troubles d'apprentissage? C'est une question que je m'ai souvent posée. C'est vraiment une question. Ça veut pas dire que tu peux pas bifurquer par là, puis tu peux pas te retrouver dans une classe. Mais quand de... tu fais ton bac en adaptation scolaire, oui, tu peux être prof au préscolaire normal. Oui, 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 certainement. Puis je me dis, pourquoi les enseignants font pas juste tout en adaptation scolaire? Puis parce que tu vas en avoir des gens qui vont avoir un TDA. Oui, TSA. Du TDAH, une dyslexie. Tu vas en avoir, c'est sûr. Sûr. Fait que pourquoi on ne ferait pas des cours en adaptation scolaire pour aller enseigner? En faire plus à ce moment-là. C'est une question que je me pose tout le temps. Mais tu as fait ta demande au préscolaire primaire, puis tu as été accepté. J'avais fait ma demande pour prof d'histoire, en histoire, puis primaire. Puis les deux, j'avais été accepté, mais j'ai choisi préscolaire. Mais à la première session, j'ai plus ou moins aimé ça. Ben j'ai aimé ça, mais quand j'ai fait mon stage, j'ai moins aimé ça. Fait que j'ai changé de programme pour aller en enseignement en histoire. Puis là, je trouvais que j'aimais les cours, mais je trouvais que c'était lourd, hein. Très, très lourd. Parce que pendant 15 semaines, le prof va te parler d'une époque historique. Puis là, à la fin de l'année, tu vas avoir un examen, il va te poser deux questions, tu choisis celle que tu veux, puis là, il faut que tu fasses 3 pages sur ça. C'est lourd, hein? Puis moi, j'ai vraiment pas de mémoire là-dessus. Fait que j'aime l'histoire, mais les cours m'intéressent pas. Ça t'intéressait moins, tu voyais moins le parcours de 4 ans, peut-être moins agréable. Exact. Là, tu t'en vas, si je me trompe pas, en 3e année de bac, ouais, hein, présentement en septembre? J'ai un parcours long, là. OK. Des fois, je prends pas beaucoup de cours parce que je sais que je vais rusher. Hein. OK. Mon bac, c'est habituellement 6 cours. Mm-hmm. C'est lourd, les 6 cours à l'université, 3 heures avec les travaux, les examens. Fait que j'en prends 4-5. OK, donc tu vas finir ton bac. Tu vas faire tes stages quand même pendant 4 ans. C'est comme à ma deuxième année. OK. Mais là, je suis à ma troisième année. OK.
Donc, en cours, tu étais à ta deuxième année, mais si tu avais fait les parcours réguliers. Puis comment tu vis ça, l'université, TDAH, pas médicamenté? Les cours en ligne, là, on en parle. On va en parler. Okay. T'as trouvé ça dur, hein? Je voyais ça, c'est ça, c'était pas ta tasse de thé. Non, parce que, justement, quand t'as un TDAH, c'est tellement facile de te déconcentrer quand la matière t'intéresse déjà pas. Parce que mon bac, je l'aime, mais je trouve que les cours sont pas représentatifs de la profession. Puis ça, c'est ce qui me fait vraiment... Je peux-tu dire des mauvais mots? Oh, tu te laisses aller, mon cher! Reste toi-même! Ça fait vraiment chier, pour vrai, que ça soit pas représentatif. Parce que moi, je suis quelqu'un que, si j'étudie une matière, faut que ça soit représentatif au métier. Puis tout ce que je fais, il faut que ça soit représentatif à quelque chose. Si je vois que ça sert à rien, comme des cours de psycho de l'enfance, oui, je sais que c'est important de savoir comment ton enfant va se développer, mais concrètement, là, j'aimerais savoir comment enseigner les maths, j'aimerais savoir comment enseigner le français, j'aimerais savoir comment enseigner toutes les autres matières que... Ça va être ça pendant 40 ans de ma vie. Mais moi, je veux pas être plus triste et très défaitiste, mais ce qui est vraiment triste, c'est que lorsque moi, j'ai fait mon bac, on avait la même impression. Okay. Puis il y a plusieurs années qui séparent le moment où moi, j'ai fait mon baccalauréat, dans le même domaine que toi, enseignement préscolaire primaire. J'ai fait un diplôme de deuxième cycle par la suite. Mais encore aujourd'hui, qu'on ne se soit pas réveillé au fait que, justement, tu fais un bac en enseignement, t'es là 4 ans, ce qui t'aide un peu plus. Écoute-moi, là, ce que je faisais, je le dis maintenant, mais combien de cours j'ai foxé à l'université pour aller dans les classes faire de la suppléance. Parce que je suis une fille de terrain, mais je comprends, là, je voyais des collègues qui, elles, parce qu'on s'entend quand on parle d'enseignement. C'est un des seuls gars. t'oublies, hein, la masculinité n'emporte pas. En enseignement, même pas dans les documents. Même pas dans les documents qui sont préparés pour les élèves. La masculinité n'existe presque pas. Donc, sur une cohorte, mettons 300 étudiants, il y a peut-être 30 gars à la fin du 4 ans. 30, c'est généreux. Oui, c'est ça. À la fin du 4 ans, il en reste quoi? Il en reste 4, 5, 6 d'autres. Ouais. C'est vrai. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça n'a pas changé. Et moi, je suis une fille de terrain. Je voyais quand même Puis tu dois en voir aussi, tu as des élèves, des universitaires qui s'accrochent beaucoup au théorique. Donc, ils sont là et qui veulent boire des paroles, mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas représentatif de ce qui va se passer sur le terrain. Donc, si vraiment tu es une personne autodidacte et sur le terrain, ben moi, ben des fois, là, je dis le mot foxy parce que c'est vraiment ça. Ouais. J'ai vraiment fait l'école buissonnière. Là, je connais le vrai mot, le vrai mot chic, là. Bon genre. Mais pour aller, dès ma première année de bac, parce que je dis, mon Dieu, c'est sur le terrain que ça se passe, c'est là que je vais aller. Malheureusement, là, tu m'annonces que, puis je le savais parce que j'ai plusieurs professionnels étudiant qui travaille pour moi, mais c'est encore comme ça après des années. Ah, je trouve ça triste. Puis, tu sais, on manque de personnel. Là. Ce que j'ai vu sur un article, il manquait 900 enseignants. Hein. 900, c'est beaucoup. Hein? Oui, c'est 900. Écoute, dans les régions, des fois, il y en a 12 qui terminent le baccalauréat au Saguenay-Lac-Saint-Jean en adaptation scolaire. Tu en as 12 qui vont finir en orthopédagogie. Pour répondre, pas juste à Chicoutimi, pour répondre à l'abbé, tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. C'est une boucle sans fin. Ils vont surcharger les classes. Les enseignants vont faire des burn-out parce qu'il y a encore une plus grosse surcharge de travaux. Oui. Il faut qu'ils corrigent toutes les copies. Il faut qu'ils enseignent à ces élèves-là. Il faut qu'ils s'assurent qu'ils comprennent la matière. Tu sais. Et plus ça va, moins il va y avoir de gens qualifiés dans le milieu aussi. Exactement. Toi, tu vas être toute jeune, tu vas commencer, possiblement que tu vas être la personne ressource de tes collègues qui, eux, auront le droit d'enseigner depuis 2019. Là, quiconque a un bac peut aller dans une classe ou presque. Alors là, toi, tu vas arriver avec ton bac, tu vas être nouveau, mais tu vas en savoir plus, malgré le fait que les cours ne représentent pas vraiment. Exact. Tu sais, c'est ce qui me fait peur en enseignement. Tu sais, je me sens pas formé pour enseigner aux élèves. Ils ne nous apprennent pas, à part dans les cours de didactique. C'est mes cours préférés parce que justement, c'est beaucoup plus représentatif. Tu apprends comment tu vas enseigner la matière. Mais tu sais, tous tes autres cours, tu fais ça pendant 4 ans. Tu pourrais le mettre en 2-3 ans puis mettre juste des cours de didactique. Parce que c'est, pour moi, personnellement, c'est ça qui va être plus important. La manière que tu vas apporter ta pédagogie chez les élèves, la manière que tu vas justement enseigner. Parce que
c'est tellement complexe, là, c'est le milieu de l'enseignement. Hein. C'est pas parce que tu vas enseigner une matière que tout le monde va apprendre. Il faut que tu enseignes plusieurs pédagogies, il faut que tu tentes des choses. Oui, parce que tu as plusieurs élèves devant Exactement. Toi, puis ce sont tous des apprenants tous différents. On est tous humains, hein. Puis il n'y a aucun humain qui est pareil. Puis tu le vois en enseignement. Oui, oui, parce que puis non seulement déjà là d'emblée ils sont différents, mais ils arrivent de milieux familiaux différents, avec des vécus différents. Oui. Il y en a qui viennent de d'autres pays, ils viennent d'Europe, du continent. Il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent d'Asie. Puis chaque région, chaque pays, chaque continent, ils ont une manière d'enseigner différente que la nôtre. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Puis malgré ça, là, ça ne décourage pas. Tu continues? Ouais, est-ce que tu comptes persévérer en enseignement? Ouais. Est-ce que tu continues à Moi, j'adore la suppléance. J'adore aider. Moi, je trippe. Mais c'est les cours que je trouve lourds, justement parce que c'est pas représentatif. Mais je suis quelqu'un de persévérant. Je vais finir mon bac, ça, c'est sûr. Mais il y a l'autre examen, le TECFE. Oui, le TECFE. Lequel examen de français? C'est de français? Une autre affaire qu'on peut parler. Oui, on va en parler. Parle-nous-en, mon cher Antoine. Lâche-toi lousse. Ça me fâche. Parce que justement, tu sais qu'il manque 900 employés, 900 enseignants. Puis là, tu mets un examen qui est encore moins représentatif de ce que tu vas faire en enseignement. Parce que moi, puis c'est encore moins adapté pour les gens qui ont besoin d'adaptation ordi, TDAH. Genre WordCube, tout ça. Là. Puis oui, c'est sûr que le français, c'est important. Mm. Là, on va enseigner aux élèves. C'est important qu'on ait une bonne orthographe, qu'on sait bien parler le français. Mais là, je suis perdu. T'es perdu? Écoute, on a un TDAH perdu live. Là. Écoute, c'est vraiment... C'est tellement drôle. Non, mais tu parlais de justement de que le TECFE, tu trouvais ça plus ou moins important. C'est un exemple. Tu sais, apprendre des expressions qu'ils utilisaient au Moyen-Âge qu'on n'utilise plus aujourd'hui, puis choisir un choix sur quatre, dire c'est lequel qui est... Est-ce que c'est que vous fuites ou que vous fuites? Tu sais, c'est plein d'affaires comme ça, mais quand je vais être enseignant, là, je vais avoir le droit à Internet, je vais avoir le droit au dictionnaire, je vais avoir le droit à tout, hein, tout mon matériel pour pouvoir me corriger, pour... Savoir des expressions... Des outils, ouais, c'est ça. C'est pas utile, selon moi. Puis, en plus, l'examen, à chaque fois que tu l'échoues, il te demande 10$ de plus à chaque fois que tu vas le repasser. Ah, OK. Au début, c'est 70. Là, je suis rendu à 80. Si je l'échoue, je vais être rendu à 90. Mon Dieu, peux-tu te rendre jusqu'à 350? D'après moi, oui. Parce que là, maintenant, on peut le passer à l'infini, au moins. Parce qu'il y a eu un temps où il y avait une limitation. Si tu l'échoues après 3 fois... Ben, tu ne pouvais plus être en enseignement. Non, c'est ça. Puis enseigner, bon, c'est sûr que comme tu sais, la matière, c'est important. Toi, en tant qu'élève, est-ce que tu as senti, tu as le désir justement là, d'accompagner ces élèves-là qui sont différents, qui se sentent différents, tu sais, tu l'as vécu. Est-ce que toi, tu as eu à un moment donné sur ta route un enseignant qui t'a, que tu t'es senti enveloppé par lui, que tu t'es senti... C'est arrivé rarement, mais c'est arrivé. Il y a eu des profs au primaire, des profs au secondaire, même au cégep. À l'uni, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Mais moi, je dirais plus au secondaire. Hein. Il y a des profs, tu sais, on a plusieurs matières, fait que t'as plusieurs profs, fait que t'as une chance de plus. T'as plusieurs chances d'avoir des bons enseignants. Des mauvais aussi, mais... Mais ouais, il y a eu des enseignants, tu sais, qui comprenaient c'était quoi. Puis là, ça te motive dans cette matière-là de savoir que le prof comprend, il comprend comment t'es. C'est sûr que tu vas être plus motivé, tu vas vouloir plus étudier, tu vas faire ses devoirs même si t'aimes pas la matière. Mm-hmm. Juste par l'approche de l'enseignant, tu sais, un prof qui va être sévère puis qui va s'en foutre de toi, c'est pas très motivant. Mais un prof qui va être chaleureux avec toi, qui va te faire rire, qui va prendre le temps de t'expliquer quand tu comprends pas, ça, c'est motivant. Puis moi, c'est ce genre d'enseignant-là que je vais être. Même si des fois, là, quand je fais du tutorat, comme je disais tantôt, hein, j'ai fait du tutorat en 6e année, puis je trouve 6e année, c'est dur, parce que tu enseignes pratiquement toutes les matières de secondaire 1.
Mais fait que des fois, en mathématiques, j'ai jamais été bon dans les problèmes écrits. Mm-hmm. Puis j'ai réussi à faire mes maths sur des 4. Quand même, ouais. Mais à 63. Donc, quand t'es fait pareil. Oui. Mais là, pour une fois, je comprenais les problèmes. Je comprenais la majorité des problèmes. Il y a des problèmes que je comprenais pas. Puis là, j'étais comme, aïe, je vais être prof. Puis je comprends même pas le problème. Qu'est-ce que ça va faire de moi? Ah, les élèves vont rire de moi, les profs vont rire de moi. Mais là, qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai pas vu vraiment négatif sur le coup. J'ai dit, bon, ben, pour vrai, j'ai été vraiment franc avec l'élève. J'ai dit, je sais pas comment faire, mais je vais aller sur Internet. On a des moyens. Prends tes notes de cours. On va être capable de le faire. Oui. Puis tu montres à l'élève que toi aussi, tu es en apprentissage. De toute façon, tu es en formation. C'est pas parce que t'es prof que tu sais tout. Hein. Non. Non. Puis moi. Il y a beaucoup de gens qui. Sur Internet, là, les gens critiquent tellement. Je vois tous les articles de journaux, surtout le Journal de Montréal puis TVA. Ah, oh, qu'il y a du monde qui. J'ai l'impression qu'ils critiquent sans savoir c'est quoi. Qui critiquent le milieu de l'enseignement? Le métier. Puis ils sont pas enseignants, tu sais, ils savent pas c'est quoi la pression d'être enseignant, la job d'être enseignant. Eux, dans leur tête, c'est clair, là, tu vas juste enseigner puis c'est tout. Hein. Puis sais-tu pourquoi la plupart de la population ont ce critique-là? Parce que tout le monde est allé à l'école. Mm-hmm. Alors, parce que les gens sont allés à l'école, ils pensent qui peuvent faire la job d'un enseignant. Mmh. Ils vont pas avoir ce réflexe-là envers la médecine, exactement, envers autre chose, envers la profession d'avocat ou quoi que ce soit, parce qu'ils disent « Ah non, c'est une profession qu'on choisit. » Mais tout le monde est allé à l'école. Exactement. Donc, on pense qu'on peut devenir tous profs, ce qui n'est pas le cas, naturellement. Puis, effectivement, puis tu la sens déjà, puis ça, c'est quand même triste d'en parler, parce que tu sens déjà cette pression-là de la société. Exactement. En tant que futur enseignant, qu'on n'en a presque pas, C'est ça qui est fou. Hein? Puis la valorisation de l'enseignement aussi, elle n'est pas là. Non. C'est la valorisation des enseignants, du respect de l'enseignant. Non, puis c'est ça qui me fait peur, les rencontres de parents. Les parents ont changé là, depuis 30 ans, 20 ans, 15 ans. Hein? Oui. Chaque année, ça change. Puis j'ai l'impression que les parents, ils connaissent plus l'élève que toi, mais toi, tu l'as dans tes cours là, pendant un an, surtout au primaire. Oui. Tu connais ton élève, tu sais qu'est-ce qu'il fait dans la classe. Mais le parent, il n'est pas comme ça à la maison, mais il est comme ça en classe. Tu sais. Oui. Mais il y en a beaucoup qui ne vont pas t'écouter. Puis pourtant, tu connais l'élève. Puis surtout, si tu es un jeune enseignant qui commence, bien naturellement, ils vont se dire que tu ne sais pas de quoi tu parles puis que tu n'es pas compétent. Tu sais, tout arrive comme ça. Non, mais c'est ça, c'est une belle profession. Bons parents, c'est pas ça que je dis, mais il y a aussi des mauvais parents. Non, mais il faut être conscient de ça parce que quand on s'en va dans le milieu de l'enseignement, on choisit pas ça pour la paye, certainement pas. On choisit ça parce qu'on veut transmettre. Puis, les 3 mois de vacances. Ouais. Comme ils disent, les 3 mois de vacances. Mais écoute, les gens vont te croire. Là, ils vont dire... Ah, c'est pas vrai. Ils vont dire, bon, on le savait! On le savait que le monde s'en va à l'enseignement pour 3 mois de vacances! Il l'a dit, c'est vrai. Hey, c'est sur Internet. Ouais, ça si doit tu être dis vrai. Que l'enfant, il est tout un petit monstre, c'est pas vrai. Mais si tu dis que tu es en enseignement pour 3 mois de vacances, ils vont le croire. Ben, comme qu'est-ce qu'il y a en politique, là, on va pas en parler, mais. Oui, mais je vois que ça t'allume beaucoup, la politique. Tu sais, t'es un gars intéressé, t'es un gars allumé, t'aimes ça, t'informer. Ouais. T'as des opinions sur pas mal de choses. Ben oui. Mais c'est parce que je trouve ça niaiseux pour vrai de. C'est tellement. Tout est négatif sur Internet. T'sais, c'est rare que tu vas avoir des gens qui vont faire du renforcement positif, qui vont croire à quelque chose. On dirait qu'il faut tout le temps que tu dénigres quelqu'un. Puis ça, je suis tanné pour vrai de voir ça sur Internet. Puis je le marque là, sur Facebook parce que ça vient me chercher de voir que des gens sont pas capables d'être heureux, on dirait. Mm. Puis moi, je suis quelqu'un que, justement, il y a beaucoup de monde qui me suit justement parce que, justement, je suis optimiste, je crois en l'humain. Puis tu sais, j'essaie de le faire valoir, de le faire paraître. Puis quand j'en ai supprimé des gens sur Facebook, là, juste pour leur énergie négative qu'ils exprimaient. Tu sais, tout le temps critiquer les autres, là, c'est pas une vie. Là. Non, puis en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que on s'entend que les médias sociaux
et Internet, c'est de ta génération. Mmh. Vous êtes la, moi je sais, j'ai une fille de 23 ans. Vous êtes les premiers qui sont vraiment tombés là-dedans, tu sais, de façon un petit peu plus sérieuse. Donc, ça fait partie de votre vie. Donc, que ça vienne, parce que vous en consommez énormément. Puis ça, c'est un autre sujet, justement. Même moi, là, je suis très dépendant des réseaux sociaux puis d'Internet. Là. Genre, je verrais pas ma vie sans Internet. Mais à quel point tu dis c'est maladif? Hein? Moi, puis je suis quelqu'un qui adore la nature. Tu sais, je pourrais passer une semaine complète en campagne puis faire du camping. Mais en même temps, je vais avoir la sensation il faut que je regarde mes messages. Faut que... Tu sais, j'ai toujours cette sensation-là. C'est là que tu vois que c'est très présent. Tant que c'est le prolongement d'un de vos bras puis de votre tête. Puis si c'est tout le temps négatif, mm-hmm. puis que c'est minant. Mais c'est parce que c'est de la facilité de l'accès. Hein, les gens, en face, ils vont pas te le dire, mais caché derrière un écran, là, c'est facile. Et qu'est-ce que tu veux? Hein? Non. Puis tu sais, comme ma génération, c'est une autre chose. On vit ça différemment. Mais votre génération, vous vous en imprégnez beaucoup. Tu sais, vous écoutez. C'est votre moyen d'aller chercher des ressources, d'aller chercher des informations, de vous reconnaître à travers d'autres jeunes de votre âge aussi. Exact. Donc, c'est sûr que si c'est négatif, c'est disons que ça part pas une vie d'adulte. Même les sites de rencontres, on va se le dire. Dans la vraie vie, là, tu vas pas avoir... Oui, tu vas avoir des critères, mais... Sur, admettons, Tinder, à être, admettons, 6 pieds, à avoir des cheveux blonds, des yeux bleus, tu sais, une shape, avoir... Les filles écrivent ça. Des fois, oui. Puis là, dans la vraie vie, là, quand tu vas rencontrer quelqu'un dans un bar ou à l'université, si tu as la proximité, si tu as, tu sais, comment je pourrais... L'énergie de la personne. Oui. Si tu feels que ça va bien, pourquoi tu te priverais parce qu'il est blond? Moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Moi, je suis pas quelqu'un qui a des critères dans la vie. Moi, il faut vraiment qu'il y ait une bonne connexion avec la personne. Oui, c'est sûr que j'ai des critères. Oui. Mais faut qu'il y ait l'énergie, faut qu'il y ait une connexion, faut qu'il y ait quelque chose. Je vais pas juger la personne par son apparence physique. Puis là, il y a une pression, ça, c'est pour les jeunes hommes de ton âge, mais aussi pour les filles. Mentalement, là, après, ces personnes-là qui ont la mentalité Tinder en vraie vie, là, ils vont penser que tout ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent, c'est vraiment une personne comme ça. Mais tu n'as jamais trouvé une personne qui correspond à tes critères. C'est sûr qu'il y en a un qui va dériver puis il va t'intéresser. Mais il y en a beaucoup qui se privent de ça, juste... Il y a beaucoup de paraître. Est-ce que tu serais d'accord de dire que vous êtes beaucoup dans une génération de paraître? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je trouve triste. Tu sais, il y a beaucoup de filles qui vont se maquiller puis qui sont hyper belles, naturelles. Puis là, s'ils n'ont pas des faux cils, s'ils n'ont pas des faux ongles, s'ils n'ont pas de maquillage, ils se sentent laides. C'est très, très laide. Puis ça vient jouer. Ça, c'est à cause de l'hypersexualisation aussi. Justement, tu vois les acteurs, tu vois les chanteuses qui sont habillées super sexy, qui sont maquillées. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont artificiels, là, des chanteurs. Puis, fait, eux, ils voient, eux, ils les aiment. C'est les repères, c'est les modèles, c'est les... Mais je trouve ça triste. Oui, ben oui, certain que c'est triste parce que quand t'as 20 ans, là, t'as toute la vie devant toi, puis que, tu sais, je veux dire, vous êtes en train de former votre vie, puis que ça soit juste les médias sociaux ou beaucoup le paraître ou, tu sais, le nom naturel. C'est pour ça que je m'habille comme ça, tu vois. Toi, c'est ta façon à toi de dire, écoute-moi, là, je m'en fous du paraître, dans le sens que... Ça n'a pas été vrai toute ma vie, mais là, je suis comme... Je vais vivre ma vie, mon habillement, qu'il soit... La fille, elle aime pas mon t-shirt. Et là, t'as celui du koala sur une licorne. Sur un cheval blanc. OK. Avec la pizza. Un cerf-volant à pizza. Parce que t'en as un, là, je sais que... En tout cas, là, il crache un arc-en-ciel, un requin. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Un cow-boy qui chevauche un requin qui vomit des arc-en-ciel. Oui. Fait que toi, d'un sens, c'est ta façon à toi d'être... Donc, t'es marginal. Oui, très marginal. Mais je l'ai tout le temps senti. Tout le temps senti depuis que je suis un enfant, que j'ai la sensation qu'il faut que je sois différent. Puis je suis différent. Fait que je vais le faire valoir. Ben oui, c'est ça, dans le sens que toi, tu vivais la différence de façon négative. Exact. Donc, tu as transposé ça. Je m'accepte comme je suis. Fait que je porte ce que je veux. Puis tu
tu transposes ça, tu regardes, je suis différent, exactement. Oui, mais regardez, en plus, je vais... Tu sais, j'aime beaucoup le naturel, fait que moi, je suis naturel, donc... Ah, puis c'est ça qui m'a interpellée chez toi, parce que, un, je trouvais ça bien que tu parles du TDA, du TDAH, que tu démystifiais ça, que tu y allais justement avec l'humour, parce que c'est quand même, tu sais, c'est un diagnostic, c'est un trouble de l'apprentissage, ça part pas avec l'eau du bain, ça part pas avec la neige qui fond au soleil, exact. Tu vas avoir ça toute ta vie, c'est en plus, c'est, ça se transmet là, à tes enfants. Ouais, c'est d'ailleurs, c'est génétique. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu te vois avec des enfants? Moi, j'aimerais avoir des enfants, mais là, je suis pas prête. OK. Je suis vraiment pas prête, mais j'aimerais ça dans mon... C'est dans tes projets, là, si... donc... Tu sais, avant, j'aimerais avoir au moins ma maison. Tu sais, vraiment, j'aimerais économiquement avoir l'argent, puis... Après être prête pour avoir des enfants, je me verrais pas. Ça, c'est un discours là, qui traverse les générations. Oui. On se dit, ah, ben là, quand je vais être prêt, justement, financièrement parlant, exact. Genre ma maison, mais je te dirais que souvent, ça arrive pas. Mais... Soit que tu n'auras pas d'enfants du tout, ça. Si tu attends vraiment ça, mais tout va venir un petit peu en même temps. Mes études, ben oui, moins, c'est sûr. Bon, je sais plus, avoir la bonne personne aussi, là. N'empêche que maintenant, tu peux avoir un enfant sans nécessairement avoir un conjoint. Ma génération qui ont des enfants de mon âge. Ah oui? J'allais au primaire, là, je suis comme, ah, ils sont déjà rendus là. Moi, je suis encore à l'université. Mais, tu sais, eux, ils ont leur job de vie, ils ont fait leur DEP. Tu sais, ils sont prêts. Même mon frère, là, lui, il a fini son DEP en électricité. Il va s'acheter une auto électrique. Puis là, il pense déjà à sa maison, à avoir des enfants à 26 ans. Je suis pas rendu là, moi, en tout cas, dans ma tête. Puis, il est plus jeune que toi. Ben, il a quel âge, ton frère? Un an plus jeune. Donc, vous devez avoir quand même une, ouais. une bonne complicité, ouais. Ton frère et toi. Là, ouais. Un an de différence, habituellement, ça fait... C'était mon meilleur ami au primaire. Pour vrai, c'était la personne, tu sais... Oui, il me jugeait parce que j'ai toujours été différent, mais tu sais... C'était pas un jugement malsain. Non, il t'aimait puis vivait avec toi aussi, donc... Je me faisais rire, c'était mon public, mon frère. Est-ce que c'est pas mal toi qui te faisais plus chicaner que lui? Ah oui, puis des fois... Il faisait des coups, puis ça te passait sur le dos? Ben en fait, je l'acceptais parce que je l'aime full, mon frère. Puis j'étais habitué de me faire chicaner, tu sais, faire des mauvais coups. Fait que là, quand il faisait un mauvais coup, je disais que c'était moi qui l'avais fait. Pour le protéger. Ouais. J'ai tout le temps été protecteur. Protecteur par rapport à ton petit frère. C'est beau d'entendre ça parce que... Puis le tu sais, c'est beaucoup d'enfants qui ont le TDAH vivent ça. Mm-hmm. Puis des fois, c'est dans d'autres dynamiques où justement, l'enfant le plus calme va faire des mauvais coups un petit peu plus de manière insidieuse. Puis il va dire, c'est lui. Puis là, ben vu que tout le monde, on sait que c'est Antoine le tannant, c'est sûr que c'est lui, on se pose pas de questions. Moi, ça m'est arrivé souvent dans les classes ou peu importe, justement. Tu le vois, ces gens-là, là, ils vont chialer. Des fois, ils vont dire, c'est même pas moi qui l'ai fait. Puis ils vont crier. Hein. Oui. Mais tu sais, je les comprends. Oui, hein, ça amplifie. C'est tout le temps eux, c'est lui qui se fait tout le temps chicaner. Fait qu'aussitôt qu'il arrive quelque chose, tu penses tout de suite que c'est lui, mais c'est fatigant à la longue, tu sais. Oui, parce que c'est tout le temps c'est d'être... C'est pas parce que t'es tannant que c'est tout le temps toi qui va le faire. Non, c'est ça exactement. Puis t'en as qui sont pas vraiment... Moi, des fois, je trouve ça pire, là. Moi, je les aime bien, les TDAH, là. Les élèves les plus turbulents, là, habituellement, je les mets pas mal plus dans ma manche. J'aime mieux ces élèves-là que les élèves qui ont l'air des élèves modèles avec un petit peu plus hypocrite, insidieux, là, justement. Qui vont faire les coups par les TDAH. Donc, ben ça, quand on est un bon prof, on est capable de voir ça. Puis, je veux parler des peurs parce que tu disais dans tes médias sociaux, tu parles souvent, tu sais, je dois avouer que j'ai toujours eu peur d'aller en enseignement, tu sais, telle affaire, ça me fait peur, etc. Puis, tu l'as nommé à plusieurs reprises. Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite? Est-ce que tu penses que si tu étais dans un autre domaine, est-ce que tu es un gars anxieux? As-tu de l'anxiété ou c'est à certains moments? Je suis très anxieux dans la vie. Oui, hein? Ah, vraiment. Tout me stresse. Les examens, j'étudie pas. Ben j'étudie la veille ou l'avant-veille, mais tout me stresse. Puis, je vais pas étudier. La raison pourquoi j'étudie pas une semaine en avance ou deux semaines en avance, c'est que j'ai ma mémoire... Là, À long terme aussi. OK. Très défectueux. À long terme, est correct. Mais fait, si j'étudie une semaine en avance, je vais peut-être avoir quoi, 5 ou 10 % de plus. Mais pour moi, l'important, c'est de passer mon examen. Si j'ai 70, si j'ai 65, ben 60, ça me stresse. Mais en haut de 65 et plus, là, je vais être correct.
Fait, d'étudier la veille puis avoir puis passer. OK. Mais il y en a là, qui se mettent tellement de pression à l'université d'avoir 90, 95. Il y en a une là, qui parlait au prof puis elle disait « J'ai plus de vie. Faut que je fasse mes lectures, faut que j'aille travailler, faut que je fasse mes travaux. » Puis là, elle a plus de vie. Là. Elle a plus de temps de voir c'est son chat. C'est plat de dire ça à 20 ans. D'ailleurs, moi, je la regardais puis j'étais comme « Aïe, je fais jamais mes lectures, je fais jamais mes travaux. » Ben je fais mes travaux qui comptent, là, mais les travaux qui comptent pas, je les fais pas. Moi, j'ai du temps, là. Puis, tu sais, j'ai ben oui, parce que tu as plusieurs emplois, là, exact. Écoute. Puis là, justement, d'être intervenant au répit de Gabi, là, tu es avec des enfants autistes. Ouais. Et puis ça t'interpelle-tu encore plus, ces enfants-là, cette clientèle-là? J'adore ça, mais c'est là que je me rends compte qu'en adaptation scolaire, ça serait dur. Parce que c'est pas un milieu non. facile. Non, non, pour vrai, non. Hein. Changer des couches, des fois, à un enfant qui a 8 ans, 9 ans. Puis, tu sais, je suis très sensible à ces personnes-là. Mm. Je trouve que c'est très difficile. Puis, j'imagine pas à quel point pour les parents, c'est encore plus difficile. Mm. Ben, je parle de ceux qui sont hauts, là, parce oui. que t'as des autistes. Oui, qui de haut niveau, hein, c'est ça. T'en as. Puis aussi, c'est que dans ton enseignement, tu veux tellement être coloré, puis tu veux tellement avoir une connexion avec ton élève, qu'à certains moments, avec certains élèves, ça serait moins évident. Là. On est vraiment plus dans la rééducation. Un message que tu aurais à donner, écoute, aux futurs enseignants qui vont enseigner avec toi dans les écoles, tes futurs collègues. Quel message, en terminant, t'aimerais leur laisser? Ben, ça, c'est dur. Quand j'écris, c'est facile, mais sortir... Tes collègues, tes futurs collègues, à quoi tu voudrais qu'ils ressemblent? Quel genre d'enseignant tu voudrais... Moi, je voudrais vraiment qu'ils croient à chaque élève. Puis... Évidemment, il y a toujours du favoritisme en enseignement, que tu vas aimer un élève plus que l'autre, même si tu veux pas le faire paraître, ça va paraître. Mais tu sais, de voir que même les enfants qui te font chier, ben ces élèves-là, ils ont besoin de toi, ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin que tu crois en eux, ils ont besoin de toi, tout simplement. Même si ça paraît pas, je suis sûr à 100% qui vont avoir besoin de toi. Puis quand tu vas avoir une connexion avec cet élève-là, tu n'auras plus de problème avec lui parce qu'il va t'aimer puis il va être respecté. Mais souvent, là, si tu ne respectes pas l'élève, lui, c'est sûr qu'il ne va pas te respecter. Mais il faut que tu fasses les premiers pas. Faut que tu sois chaleureux avec chacun de tes élèves, selon pour moi. Pour être significatif, c'est être un adulte. C'est facile à dire. Oui. Mais le faire... On est des êtres humains, puis on a nos journées. Là, à un moment donné, tu as une famille aussi, puis tout ça, c'est jamais évident. Aux parents, tu aurais le goût de leur dire quoi aux enfants, aux parents qui ont des enfants comme toi, qui sont TDAH, puis à l'école, mais en tant que parent? Moi, je pense que c'est la meilleure chose qu'ils peuvent avoir pour vrai. Comment je peux le dire? Ouais. Tu sais, ça te forme vraiment comme parent, puis de voir que ton enfant, des fois, il a besoin d'aide, d'être présent pour ton enfant, là, ça n'a pas de mots. Qu'est-ce qu'ont fait tes parents qui ont toujours cru en moi. Okay. Ils ont vraiment toujours cru en moi. Moi, je pensais jamais aller au cégep de ma vie, puis eux non plus. Puis tu sais, quand je suis allé au cégep, ils m'ont vraiment encouragé. Mm. Quand j'étais allé à l'université, ils m'ont encouragé. Quand je faisais mes vidéos, ils m'encourageaient. Ils partageaient mes vidéos, ils commentaient. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun quand tu fais quelque chose qui te plaît, que tu vois tes parents qui t'encouragent là-dedans. Qui croient en toi. Donc, de croire en leur enfant, des fois, ça peut être lourd. Tu sais, d'avoir un enfant TDAH, puis avec diagnostic. C'est pas facile. Pour vrai, c'est loin d'être facile d'avoir un enfant TDAH parce qu'il va bouger. Surtout ceux qui ont des troubles d'opposition comme moi. Nous, on adore s'opposer aux parents à tout ce qui est autoritaire. On adore s'opposer. Puis, quand tu as l'impulsivité, des fois, c'est plus fort que toi. Fait qu'il faut que ça sorte. Fait que des fois, tu dis des choses que tu penses en ce moment. Mais 5 minutes plus tard, tu le regrettes, puis t'es comme, aïe, je le pensais pas pour vrai. Oh, mais ça, c'est oui, dur parce dans que t'as ça. Parce que tu le dis, fait que tu le penses. Mais quand t'as un TDAH, c'est pas parce que tu le dis que tu le penses nécessairement. Non, ça sort comme ça, c'est de l'impulsivité. Exactement. Parce que tu en as parlé à un moment donné, dans un jour, je peux être hyper content pendant toute la journée, puis en un instant, passer de super en colère à super triste, à super inquiet, tout ça dans la même minute. Des fois, je pensais que j'étais. Bipolaire? Bipolaire. OK.
quand j'ai eu mes cours de psycho, on parlait de c'était quoi bipolaire. Puis j'étais comme, aïe, on dirait vraiment que je suis bipolaire. Mais apparemment, ça fait vraiment partie du TDAH, les hauts puis les dons. Mais quelqu'un qui est bipolaire, ça va être vraiment par phase. Là. Eux, c'est toute la journée, puis ça peut être toute la semaine qu'ils vont être comme ça. Puis une autre semaine, ils vont être vraiment. Oui, contents. C'est ça, là, ça peut durer moi, des mois. Ça peut être. Dans une journée, là, je peux changer 10 fois d'émotion. Je peux être triste, content, anxieux, super énergique. Tu sais, tout ça se passe dans le même. Ou dans la même minute. Dans la même minute, tu disais, dans la même minute. Parfois, je ressens des sentiments tellement forts que je n'arriverai jamais à les décrire avec des mots, oui. Jamais. Mais. Tu sais, même quand t'es amoureux, là, moi, quand je suis amoureux pour vrai. Ouais. Mais si je suis pas amoureux, je suis pas amoureux. T'es tintin. Fait que la fille, même si ça cessait, même si elle a un bikini exact. Avec des ananas dessus. Exact. Si ça marche. Physiquement, mais tu sais, c'est la connexion que je te parle qui va pas être présente, sûrement. Non, parce que c'est toujours fait avec intensité. Exact. Donc, c'est toujours avec intensité. Si t'as une peine d'amour, elle va être intense. Elle va être intense. C'est intense. C'est ça qui est fou. Que j'aime aussi. Oui. Tu vois, chez les humoristes qui sont vraiment drôles, là, ceux qui ont full d'énergie, tu le vois en eux, là, cette énergie, cette intensité. C'est qui tes humoristes que tu aimes? Ben, moi, j'adore Martin et Matt. Okay. Martin et Matt, c'est un classique. Là. Surtout ses vidéos quand il répare des choses. Ouais. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. En vrai, lui, c'est un personnage. C'est peut-être inspiré de toi. Moi, c'est moi. Écoute, merci pour tes messages, Antoine. Vraiment, je ne regrette pas de t'avoir invité, d'avoir persisté, vraiment. Ben oui, c'est ça, exactement, avec mon décor. C'est rare. Écoute, tu es le premier invité pour lequel je me suis forcée à mettre un décor spécifique. Mais bon, je vais faire un petit clin d'œil. Et en tant que prof, ben prof, ça remet des diplômes. Alors, j'aimerais bien te remettre tout de suite ton diplôme en enseignement, on pourrait skipper 2-3 ans d'université, mais j'ai pas le droit de le faire. Mais je remets un diplôme à chacun de mes invités. Alors, naturellement, donc, je te décerne le certificat d'engagement décerné à Antoine Faulkner pour sa persévérance scolaire et ses réussites académiques malgré plusieurs embûches. Pour son fervent désir de vouloir faire la différence auprès des élèves qui lui ressemblent et qu'il comprend si bien. Pour sa capacité et son engagement à vouloir construire un monde de l'éducation meilleur et différent. Pour son TDAH, c'est-à-dire T pour ténacité, D pour détermination, A pour Anana. Et définitivement son H pour le H pour l'humour incontournable. Wow, merci. Écoute, ben, je te remets ton certificat d'engagement. Ouais. Merci. Écoute, ben, c'est toujours ma surprise. Donc, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Continue d'être significatif. On va peut-être se revoir parce qu'on a tellement de sujets à aborder. On pourra en parler longtemps. Puis j'aimerais ça suivre ton parcours pour dire, ben tu sais, on va se revoir dans un certain temps, puis où tu en es, puis vraiment. Puis on continue à te suivre avec ta page Facebook, donc du TDAH, puis de ta page à toi. Alors, merci mille fois. Antoine, vraiment, tu es un bel exemple avec des futurs enseignants comme toi. Même si tu fais une coupe de fautes, tu vas être significatif. Et... j'ai confiance que tes élèves vont vraiment, vraiment t'apprécier. Merci. À la prochaine. Gentil.